Je vais vous parler de Metalix, qui va être interprété tout à l'heure par Noé Nilny. Et cette pièce est une œuvre d'étudiant que j'ai écrite lors du cursus d'informatique musicale de l'IRCAM en 93-94. Et c'est donc le projet de fin d'études. Alors, une des particularités de ces pièces, c'est que ce sont des compositions dont les parties électroniques doivent être réalisées entièrement par les stagiaires compositeurs. Donc on est formé à l'apprentissage des logiciels et on doit mettre en œuvre ces apprentissages dans le cadre de l'écriture d'une œuvre. Alors, j'ai choisi la trompette pour plusieurs raisons. La première est que dans ces années-là, il n'existait que des œuvres pour flûte, piano, clarinette, notamment celle de Philippe Manoury, Pierre Boulez et d'autres, mais il n'y avait absolument aucun répertoire sur les cuivres. Donc je me suis intéressé à l'idée d'écrire pour un instrument en cuivre et j'ai choisi la trompette pour d'autres raisons qui étaient que nous avions un lien avec un ensemble et que donc, j'avais à ma disposition une trompette dans cet ensemble. La deuxième raison est que j'ai toujours été fasciné par un des aspects des instruments à cuivre qui sont l'utilisation des sourdines. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et j'ai vu là l'opportunité de faire un travail de recherche, puisque finalement, la sourdine, d'abord, dans le cadre de l'esthétique de la pièce, la sourdine, c'est un petit peu comme un déguisement. Surtout dans le cadre de la trompette, le timbre peut être transformé de manière assez radicale, jusqu'à transformer littéralement la nature même de l'instrument. Par exemple, quand on pense à la sourdine wah-wah, on peut avoir des effets comiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui affecte énormément le timbre, mais aussi le caractère de l'instrument. Donc je me suis intéressé à cette problématique dans son aspect poétique, mais aussi dans son aspect un petit peu plus concret, c'est-à-dire dans la nature même du son. Et donc les sourdines ont pour effet de transformer le timbre de l'instrument, c'est des filtres doublés d'égaliseurs. Et il se trouve que justement, dans la musique électronique, on peut utiliser des filtres pour faire du traitement en temps réel sur le son d'un instrument. Donc l'idée toute naturelle était de dire, si après tout, les filtres physiques transforment le son de l'instrument, je vais peut-être pouvoir, par l'ordinateur, recréer des filtres pour fabriquer des sourdines virtuelles qui me permettraient aussi, évidemment, de faire des sourdines, des chimères, des sons plus expérimentaux sur le même modèle. Alors, si on regarde le spectre, voici l'image d'un spectre à court terme d'une note de trompette, qui est en fait un La 2 joué forte. On voit que le son est harmonique, c'est une signature d'un son harmonique avec toutes les raies des harmoniques qui sont bien équidistantes les unes aux autres, mais on voit aussi que les harmoniques décroissent en amplitude de manière assez naturelle dans une pente douce. Et on note aussi, en bas à gauche, une zone un peu plus dense et chaotique. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la signature du bruit. Donc, dans le cas de la note que Noé vient de jouer, le bruit est assez peu présent. Il y a un petit peu de souffle, il y a un petit peu de buzz qui est produit par les lèvres, il y a probablement d'autres artefacts à l'intérieur du tube, mais on voit que le son de la trompette naturelle est quelque chose de très équilibré. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde ce spectre maintenant sous une autre forme, qui est ce qu'on appelle une enveloppe spectrale. En gros, c'est comme si on reliait chacun des pics de notre spectre par une ligne jusqu'à créer une courbe. Cette courbe, c'est une sorte de résumé du son, un schéma du son. C'est très simplifié, mais c'est une simplification qui nous permet de reconnaître le timbre. On arrive à reconnaître les timbres avec une simplification aussi grande. L'autre chose que l'on peut voir, c'est que cette forme, c'est exactement celle que produirait un ensemble de filtres qui seraient évidemment connectés les uns aux autres pour reproduire cette forme. Donc, l'enveloppe spectrale est ce qui me permet de travailler dans le programme Max pour fabriquer des filtres. On va voir ça tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais vous montrer les enveloppes spectrales et les spectres des sourdines maintenant pour que vous voyez le niveau de transformation qui est opéré sur le timbre par la sourdine. Voici maintenant la sourdine Ball, qui est la sourdine Cup en anglais.
Regardez comme c'est intéressant, la sourdine Cup, elle redéfinit complètement la forme de l'enveloppe spectrale. Le son reste harmonique, on va entendre la même note, puisque la fondamentale est toujours la même, mais on voit bien que ce filtre-là va affecter le timbre de l'instrument d'une manière qu'on va entendre maintenant. Notez dans cette zone-là le côté un petit peu nasillard qui provient de cette sourdine, c'est cette zone précisément qui fait cet effet-là. Ensuite, on a la sourdine sèche, qui est une sourdine, c'est la sourdine classique de la trompette, celle qui est utilisée depuis le 18e. Et vous voyez que dans le cas de la sourdine sèche, non seulement notre enveloppe spectrale devient encore plus complexe, mais on voit aussi que progressivement, la zone de bruit devient de plus en plus grande et de plus en plus énergique. Voilà. On va ensuite regarder la sourdine Harmon, qui est une sourdine qui peut faire deux emplois. La première, c'est ce qu'on appelle sans le tube, tel que nous l'avons en ce moment sur l'instrument de Noé. Et nous avons aussi la même version avec un tube à l'intérieur qui permet de faire l'effet wah-wah. Et wah-wah avec bouchée fermée. Dans tous les cas, on voit bien qu'avec la sourdine Harmon, on a maintenant un filtre encore plus complexe, avec des distributions d'énergie dans des zones du spectre plus aiguës, et on voit que la quantité de bruit présente, elle aussi, croît de manière assez importante. Et enfin, pour finir, j'ai fait des analyses sur la sourdine d'appartement, qui s'appelle la sourdine Practice Mute. C'est la sourdine pour pas rendre fous ses voisins. Elle a une particularité, c'est que jouer pianissimo, elle a un son extrêmement doux et fragile, mais jouer fortissimo, c'est un vrai chaos, comme on peut le voir dans l'image qui est ici. Encore plus fort, Noé, c'est possible? Voilà. Alors, toutes ces données m'ont permis de réaliser ces filtres dont je parlais tout à l'heure. Et je voudrais vous montrer maintenant un exemple de ce que nous pouvons faire avec l'ordinateur, avec des bancs de filtres, qui sont en fait des filtres numériques. Et avec ces filtres, je reproduis les formes que l'on vient de voir. Donc, les données qui ont été analysées dans les enveloppes spectrales sont stockées dans des messages. Et lorsqu'on envoie le son de la trompette dans l'ordinateur, l'ordinateur va appliquer des filtres numériques pour essayer d'imiter ces sourdines. Donc, on va jouer un petit exemple qui n'est pas tiré de la pièce. On va d'abord écouter, par exemple, l'imitation d'une sourdine cup. Pour que vous entendiez bien, j'ai mis un délai de manière à ce que ce qu'il va jouer va être rejoué par la sourdine 3 secondes plus tard. Voilà, on entend le filtrage qui imite la sourdine cup. Et maintenant, on va écouter la sourdine Harmon avec la même phrase. On voit que le filtrage par l'ordinateur est assez fidèle à l'original, ce qui fait qu'en fait, cette forme spectrale arrive à imiter plus ou moins le son de la trompette avec sourdine. Alors, c'est quelque chose que j'utilise dans toute la pièce, notamment quand la trompette est elle-même sans sourdine, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais il y a d'autres utilisations des mêmes données, celles des sourdines. Donc, la première utilisation, c'est le filtrage. La deuxième, c'est aussi un filtrage, mais cette fois-ci, c'est des filtres que l'on met, ce que l'on appelle, en mode résonant. L'effet étant de créer des sortes de carillons de musique électronique dont les fréquences de résonance sont aussi issues des sourdines. On va jouer le petit exemple de la mesure 27. Ce type de sonorité et de carillons sont utilisés de cette manière, mais aussi sur des notes plus longues pour créer des changements de timbre et de spectre de l'instrument.
C'est le son que l'on va entendre dans la plupart des interventions de trompette dans la pièce. Et il y a enfin une troisième utilisation qui, elle, sert à faire de la synthèse sonore. Et c'est en fait les filtres, toujours en mode de filtrage, mais cette fois-ci dans lesquels on injecte du bruit blanc de manière à créer de la synthèse. Ça devient des sortes d'oscillateurs avec un peu de bruit. Voilà, et vous reconnaîtrez notamment dans la deuxième partie de la pièce une séquence plus longue. Donc on voit qu'en fait, les mêmes données servent à plusieurs utilisations et plusieurs cas de figure musicaux. Il faut savoir que Metalix est une œuvre qui mélange deux techniques, les techniques de temps réel, mais aussi les techniques qui viennent des sons fixés, de la musique acousmatique. Ce n'est pas une pièce entièrement en temps réel, c'est un hybride entre plusieurs méthodes d'écriture. Donc certains sons Metalix sont faits en studio et d'autres sont faits dans le temps de l'exécution. Alors, une autre partie importante du travail a été de regarder ces données de sourdine et de constater, déjà à l'œil nu, qu'il y a un phénomène intéressant, c'est que la quantité de bruit selon la sourdine augmente et ça m'a incité à faire un travail sur la forme. Donc la forme de Metalix est en réalité le choix d'un parcours de la trompette ouverte et naturelle, jusqu'au son le plus bruité possible. Donc toute la forme et cette trajectoire vers le bruit. Bruit dans le sens composant bruité du timbre. Il se trouve que les parties de Metalix sont donc organisées sur cette forme. Il y a donc une section par sourdine. Et entre chaque sourdine, nous avons des interventions de trompettes sans sourdine qui elles-mêmes subissent le même traitement, à savoir une directionnalité de plus en plus bruitée. C'est pour ça que les modes de jeu vont du jeu traditionnel de la première section, petit à petit avec des sons bisbilliando dans la deuxième section. Peut-être, Noé, tu peux nous faire entendre un son bisbilliando. On entend déjà des petits claquements avec les pistons. Ensuite, les flacertum qui sont déjà un petit peu plus bruités. Même plus fort. Et ensuite, à la fin de la pièce, il y a l'apparition de trémolos de valve, des slaps, de l'air et toutes sortes de modes de jeu. Noé va nous faire entendre un exemple. Donc, toute cette trajectoire est un choix qui découle de l'analyse des modèles acoustiques des sourdines, mais aussi d'un choix qui est lié à un travail sur la composition, puisque finalement, le choix de cette forme ne nous donne en rien une idée de quel type de musique, quel type de poétique va se dégager de chacune des sections. Ça, c'est quelque chose qui est assez libre, puisqu'on verra que selon la section, le caractère musical change radicalement, et celui-ci est issu d'un rapport, on va dire, presque direct avec ce que m'évoque le son de l'instrument, avec telle ou telle sourdine. Donc il y a un caractère qui est lié à chaque section de la pièce, mais dans le tout, on est dans une structure qui, elle, provient de ce qu'on pourrait appeler une sorte de post-spectralisme. En gros, esthétiquement, l'œuvre se situe à mi-chemin entre un travail sur la combinatoire et sur des idées qui viennent de l'école spectrale. On est là dans une sorte de syncrétisme de plusieurs écoles. Le matériau musical de la pièce est lui aussi lié à cette forme.
Et on voit ici une capture d'écran d'un ancêtre de ce qui est aujourd'hui un programme qui s'appelle Open Music. Ceci est des captures d'écran de Patchwork, qui était un outil qui nous permettait de faire un travail du signal vers le symbolique, du signal donc de l'analyse des sons vers le symbolique, c'est-à-dire la représentation, dans le cas présent, en notation musicale, qui pouvait être utilisée pour diverses fonctions. Donc la plupart des hauteurs qui sont dans la pièce, ainsi que leur déroulement, ainsi que les harmonies, proviennent de toutes ces données qui sont issues de l'analyse des sourdines. Donc il y a une forme, de constante dans ce travail, on va dire de projet artistique autour de cette recherche sur les sourdines et sur la manière d'utiliser un matériau et de l'utiliser jusqu'à l'os, si je puis dire. C'est-à-dire vraiment, jusqu'au bout de ce que je pouvais en tirer. Je voudrais pointer vers une particularité instrumentale dans la pièce qui est... on a toujours un doute sur ce qu'on entend, puisque ça pourrait être dans l'électronique, mais il se trouve un cas de figure où la trompette descend bien en dessous de sa tessiture naturelle, qui est normalement la note jouée mi, mais qui va sonner fa dièse ou fa, selon la tonalité de la trompette. Et vous voyez qu'ici, dans cette partie, on démarre sur un fa dièse grave, mais pour finir jusqu'au si bémol le plus grave du trombone. Donc c'est une extension assez dramatique de la tessiture de la trompette qui est faite par une technique qu'on appelle le growl, mais aussi par les sons pédales joués avec la lèvre supérieure. Et Noé, si tu veux bien nous faire une démonstration. Enfin, je parlais de son fixé et donc de son fabriqué en studio. Il y a une technique qui est très particulière à cette pièce et c'est la première pièce, je pense et je crois, qui utilise cette technique. Il s'agit des sons résiduels. Un son résiduel, c'est une technique spéciale qui permet de désassembler un son en ses constituants. La nature des sons, une partie du son est sinusoïdale, une autre partie peut être du bruit, une autre partie peut être de la transitoire. Et donc, cette technique permet de désassembler la partie bruitée de la partie harmonique. L'intérêt de cette méthode, c'est que ça permettait de fabriquer des sons tout en gardant une sorte de mémoire de l'original, un petit peu comme quelque chose après l'érosion, ou avec la mémoire qui parfois enlève un petit peu les couleurs de ce qu'était l'image réelle que l'on avait vue il y a un certain temps. Donc c'est une méthode qui m'a fasciné et qui, bien entendu, à l'époque, était impossible à faire en temps réel. Aujourd'hui, c'est possible. Et je voudrais vous faire entendre quelques-uns des sons que j'ai faits avec cette technique. Et vous allez voir, c'est des sons qui apparaissent dans toute la deuxième partie de l'œuvre, notamment la fin, puisqu'on est dans les sections où la quantité de bruit, entre guillemets, est la plus grande. Et donc, ce type de son trouve sa place à la fin de la pièce. Donc, un premier son va être un son ordinaire, normal. Maintenant, on va entendre l'extraction du bruit à partir de ce son, mais une extraction qui tend à garder suffisamment de l'original pour qu'on arrive à le reconnaître. Et maintenant, on va entendre le même son tel qu'il est traité pour être utilisé dans la pièce, c'est-à-dire il a subi une dilatation temporelle. Vous voyez ça, cet effet sur l'origine des sons, la mémoire, un travail sur le temps. Oui. Voilà, ce sont quelques exemples des sonorités qu'on entend dans Metalix. Les autres traitements qui sont effectués par le programme en temps réel sont plus traditionnels de la musique électronique, de ce qui se faisait dans les années 95, puisque nous entendrons donc des délais, des transpositions pour créer des harmonisations. Il y a de l'échantillonnage aussi.
On a vu les filtres et il y a aussi le spatialisateur. Et en fait, c'est la première pièce où le spatialisateur de l'IRCAM a été utilisé en concert, dans sa version 1. Nous étions au cursus des sortes de bêta-testeurs, souvent pour les nouveautés. Et donc, ça a été un petit peu le baptême du feu de cette technologie. Je pense que ces quelques clés vous permettront de suivre la pièce et se dérouler avec un regard plus précis sur ce que j'ai tenté de faire. Et je vais laisser maintenant la place à Noé Nildi pour son interprétation. Thank you.
Ah.